Bonjour à tous, je m'appelle Anne-France Huret, je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice dans les Alpes-Maritimes. Je reçois à mon cabinet, mais aussi en téléconsultation et je propose aussi des entretiens téléphoniques. Je fais partie de la team des psychologues interculturels sur Instagram et cette semaine, je propose le podcast sur l'estime de soi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, c'est-à-dire une valeur négative d'elles-mêmes, ont un travail à faire sur les croyances limitantes. Par exemple, la personne qui a une faible estime d'elle-même va penser « je suis nulle, je ne suis pas assez jolie, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez cultivée ». Et l'exercice que je vous propose à faire maintenant, c'est noter sur votre cahier de la transformation de soi toutes ces pensées limitantes, toutes ces fausses croyances limitantes que vous avez, que vous pensez, vous les notez. Et ensuite, vous vous posez la question, d'où vient-elle? Qui m'a dit ça la première fois? Que j'étais nulle, que j'étais pas assez intelligente, que j'étais pas assez jolie? Parce que ce sont des pensées qui ne viennent pas de vous, mais des autres. Et par la suite, après ce joli travail de la transformation de soi, vous allez pouvoir construire vos propres croyances contenantes, apaisantes et sécurisantes pour vous. Voilà pour ce podcast sur l'estime de soi. Je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, car prendre soin de soi, c'est s'accorder de l'importance. Au revoir.